Panis. C'est un panam exceptionnel que je vous propose de découvrir aujourd'hui puisqu'il est entièrement consacré aux métiers rares ou méconnus. Et oui, vous le savez maintenant, Paris est la capitale de toutes les exceptions. Ils sont quelques centaines à travailler dans l'ombre. Ils travaillent en coulisses, aux coutures d'un film, d'un magazine ou perpétuent un savoir-faire en voie de disparition. Des hommes et des femmes passionnés et passionnants que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro de Panam. Cette semaine dans Panam, Yvan rencontre Nelly. Cette comédienne va lui révéler les petits secrets qui font un bon doublage de film. Toi, Nelly, t'es comédienne. Ouais. Et tu fais essentiellement du doublage. Moi, je fais beaucoup de doublage et aussi des pubs, radio, télé, de la voix off et du doublage. Ce sera ensuite l'heure de la sieste pour Yvan. Patrice, matelassier depuis 20 ans, lui apprendra qu'un matelas fabriqué à l'ancienne peut durer, durer et durer. Moi, je le garantis au moins 60 ans. 60 ans? Ouais. Mais on refait des matelas qu'ont connu la Troisième République, hein, sans problème. Nous retrouvons Frédéric Gersal, qui avec sa verve habituelle, nous contera quelques anecdotes sur les métiers disparus des bords de Seine. Quand on se donne rendez-vous à midi pile, c'est parce que c'était le coup de canon donné à midi pile par le canonnier de la Tour Eiffel jusqu'en 1900. Paul nous fera découvrir un métier remis au goût du jour, celui de peintre en lettres. Tu peins sur tout support. Tout support, ouais. Le verre, le bois, la pierre, sur de la tôle ondulée, du métal, enfin bref, vraiment sur tout support. Ouais. Mais tout de suite, Yvan retrouve Audrey. Cette styliste culinaire termine son marché pour son prochain shooting photo. Bonjour Audrey. Bonjour Paul. Ça se mange ça? Eh oui, c'est plus joli. Ça va servir à décorer un petit tartare de poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est des petites pensées, des fleurs comestibles, mais aussi des citrons caviar. Tu vois, là, ils vont ramener ces petits citrons qui sont originaires d'Australie. Et en fait, c'est un citron un peu méconnu en France. En fait, quand tu l'ouvres, il y a plein de petites billes de jus. Elle a des demandes improbables? Oui, elle a des produits à rechercher. Quoi. C'est... Il y a des produits improbables, ouais. Et il y a aussi des produits hors saison, des fois, malheureusement, parce qu'on fait des fois les photos 6 mois avant la sortie de l'article. Eh bien, on y va alors. Ouais. On va aller faire ces photos. Emmène chez moi. Ouais. Merci, Fred. Merci, Fred. À bientôt. Direction l'atelier d'Audrey, où tous les deux vont se livrer une battle de composition culinaire. Voilà, ça c'est mon petit atelier. Ah oui, il y a le choix. Ouais, c'est mon petit magasin de vaisselle personnel. Et quand tu fais toute la vaisselle, ça prend du temps chez toi. Hein. Ouais, ça prend du temps, ouais. Alors ça, il faut qu'on choisisse là. Alors peut-être pas si grand. Ouais. Tiens, je vais prendre ça. Je trouve ça très joli. Ouais. Celle-ci. Très joli bol. Là, c'est important, hein, ce qu'on fait là. Il faut pas se tromper, ça va être photographié. Exactement. Allez, vendu. Allez, on y va. Alors, passons aux choses sérieuses. Moi, ce que je fais en général pour pas toucher la nourriture avec mes doigts et être très précis, c'est que j'utilise une pince. Donc, vas-y, tu en as une chacun. D'accord, ok. Et tu peux voilà, prendre les petits différents éléments, les disposer dans ton assiette. N'oublie pas de la décorer. Mm-hmm. Et puis de l'assaisonner avec la petite marinade que j'ai préparée. Toi, tu as déjà une petite idée de ce que tu vas faire, parce que c'est toi qui as composé le plat. Mais je travaille quand même pas mal de façon spontanée aussi. Ah ouais? Ouais, ouais. Je pense qu'il y en a qui préparent vraiment le schéma dans leur tête. Moi, j'aime bien y aller un petit peu au feeling. Tu te lâches? Ouais. Bon, allez, on commence par le poisson. Go! Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est intercaler un petit peu, mettre une petite tranche de poisson, hop, une petite tranche de radis. Il n'y a pas de règle, en fait, tu sais. C'est vrai, il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle. Oh, ça s'apprend quand même, ce métier. Oui, mais en fait, c'est vachement l'expérience. Il n'y a pas vraiment de formation pour faire ce métier. Moi, j'ai suivi quelqu'un pendant 1 an. Je suis revenue le soir et j'ai dit à mon coloc de l'époque, mais là, je crois que j'ai croisé le métier de mes rêves. Ma fille, elle est payée pour cuisiner et apporter de la jolie vaisselle. C'est ça qui t'a plu? Je trouve ça trop chouette, ouais. Mais on triche quand même quand on fait
du stylisme culinaire? En général, c'est plutôt du vrai, parce que le naturel, c'est ce qu'il y a de plus beau. Après, on a quand même des petits boulots où il y a besoin de faire plus du faux. Quand, par exemple, il s'agit de faire vraiment une publicité, je peux être amenée à faire des faux cafés, par exemple. Ou j'ai des petits tricks pour que le fromage ait l'air plus fondu. Des petites choses comme et ça. Et alors, c'est quoi des petits trucs? Venir avec le chalumeau. D'accord. Au dernier moment, ou même des fois avec un décapeur thermique. Des petits trucs un peu pour juste pour que ce soit plus joli, mais bon, en général, on n'est pas loin de la vérité. Toi, ton assiette est beaucoup plus généreuse que la mienne. Hein, ouais, c'est vrai, hein, t'es un peu radin. Hein. Et qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu fais une photo culinaire comme ça? Qu'est-ce que tu veux donner comme sentiment, comme impression? Il faut que ce soit gourmand, bien sûr, coloré, et que ce soit, ouais, que ça fasse saliver, quoi. Donc il faut que ça brille, tu vois, il faut qu'il y ait de la sauce. Il faudra bien, tu vois, sur ton assiette, remettre un petit peu de marinade pour que ça brille bien. Il y a un petit truc faux que je fais des fois qui fait que le plat n'est plus comestible. Oui. C'est que des fois, je fais un petit pchit d'un mélange eau-glycérine. Oui. Et ça va faire des petites gouttes. Bon, là, tu vois, ça y est, j'ai flingué mon plat. Moi, je pense que ça travaillait très proprement, franchement. Là, c'est la spécialiste qui part. On va comparer les deux assiettes. Ouais. je pense que oui, moi, je suis allée pas mal dans la générosité. Et d'avoir une assiette bien garnie. Moi, c'est peut-être un plat et toi, c'est peut-être une entrée. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Yvan. À l'époque du tout numérique et des imprimantes haute performance, Paul a décidé de prendre la relève de son père et d'exercer un métier quasiment disparu, celui de peintre en lettres. Salut, Paul. Salut. Ça va? Ça va et toi? T'arrives, c'est terminé? Ouais, c'est la deuxième couche. Il te reste quoi à faire? Il me reste encore le Y, mais il faut que je me dépêche parce que là, il commence à pleuvoir. Ouais, parce que t'es toujours dehors, toi, ouais. T'es souvent dehors, ouais. Tu vis avec les intempéries. Ouais, il faut regarder la météo le matin. Parce que ton métier, c'est ça, c'est de peindre des lettres sur les vitrines des commerces. Sur tout support, alors je travaille beaucoup avec les restaurants, donc c'est sur les vitres ou sur le bandeau, ça dépend des demandes du client ou du logo aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta trousse à outils? Le pincelier. Ah ouais, t'es armé là. La peinture qui est derrière et toi. Et ouais, la peinture. C'est une peinture spéciale? C'est de la laque émaillée. Ça, c'est une marque américaine. Du coup, elle est très brillante et puis elle résiste aux intempéries, aux UV. Mais alors, explique-moi, ça, c'est fait en amont, dans un atelier déjà? C'est collé, c'est stické? Comment ça se passe? Il y a un travail en amont qui est assez long. Déjà, il y a l'échange avec le client. Là, il y a eu un graphiste qui était avant. On voit, on met à la taille. Et après, on vient le transférer avec ce qu'on appelle un poncif, qui est fait avec des petits trous, avec ce genre d'outils. Un poncif? D'accord. Alors, tu veux m'expliquer comment ça fonctionne, là? Parce que je sais pas du tout. Je vais te montrer ça à l'atelier, ça sera plus simple. Ah ben, on y va alors. Il est où, ton atelier? Le fameux poncif, comme tu vois, il y a des petits trous. Ouais. La typo est imprimée à la taille et ça permet en fait de pouvoir, après, une fois sur place, transférer beaucoup plus rapidement le lettrage. Ah, d'accord. Et après, on repeint les lettres. C'est ce qui est intéressant avec les choses qui sont peintes à la main, c'est qu'il y a des irrégularités du pinceau et de la main, mais qui donnent vraiment ce charme-là aux lettres peintes qu'on n'a pas avec un stickers qui est vraiment froid et impersonnel. Tes clients, toi, ce sont qui essentiellement? Beaucoup les restaurants, mais ça peut être un studio d'enregistrement, un céramiste, un fleuriste, un tatoueur. Et il y a un style qui te correspond à toi? Il y a un style Paul? Moi, je travaille beaucoup la feuille d'or. C'est des lettres qui ont un cachet, c'est assez élégant, chic à la fois. C'est pas bling-bling, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de la feuille d'or. Là, on est dans ton atelier que tu partages. Vous faites le même métier ou pas, tous les trois? Quasiment.
il y a les boutiques, mais il y a les murs dehors, il y a des murs à l'intérieur, il y a des étiquettes de vin, il y a des... Il y a mille et un supports. Donc il y a plein de boulot alors ? Et je, pour, moi, de mon point de vue, oui, il y a du boulot pour tout le monde. Et vous êtes combien à peu près en France à faire ce métier ? Quand moi j'ai commencé, je croyais qu'on était... Je pensais être le seul. La semaine suivante, en fait, j'ai vite compris qu'on était 5, puis 10. Mais après, il y a plein de gens qui s'y mettent, il y a peu de gens qui y restent. Ouais, mais ça se compte quoi, par dizaines, par centaines ? Je pense que c'est même pas par dizaines. Mais après, il y a des, il y a les vieux de la vieille qui sont là depuis des années, qui ont été formés, qui ont suivi... ils sont plus beaucoup. Et je pense qu'ils ont quoi ? Ils ont 60, 70 ans à peu près de moyenne. Et là, c'est revenu ces 10 dernières, 10, 15 dernières années, ça revient à la mode. Donc c'est quand même des métiers rares. C'est pas rare, c'est même un métier qui était en train de mourir. En train de mourir. Et toi, Louis, t'as décidé de le faire, ce métier ? Ouais, moi, je suis un peu de la nouvelle génération, entre guillemets, mais formé un peu par l'ancienne, enfin, une génération qui est un peu à mi-chemin entre les anciens qui ont encore le savoir, qui était transmis par des experts, en fait, dans des écoles. Et puis des gens qui se forment un peu seuls maintenant, du coup, à l'époque des réseaux, d'Internet, où on a accès un peu plus facilement aussi au, à tout un tas de savoirs. Mais pourquoi ce métier ? Pourquoi sur la lettre ? Il y a quelque chose qui te fascine dans la lettre ? En fait, on peut faire plein de choses avec la lettre. Enfin, par exemple, la bonne typographie ou le bon lettrage, c'est quelque chose qui se remarque pas forcément, mais qui va nous faire ressentir quelque chose. Et donc, par exemple, un commerce... sans avoir une typographie flamboyante, il peut juste nous transmettre une émotion, quoi, ou se dire « Ah tiens, cette épicerie, elle a l'air sympa, elle a un petit côté ancien, ou elle a un petit côté plus humain, ou machin. » Et donc du coup, on se dit « Ah bah, on n'a pas forcément fait attention, en fait. » Et c'est ça qui est intéressant dans la lettre, c'est qu'on peut faire passer des choses sans être forcément explicite. Au XVIIe siècle, les bords de Seine étaient le lieu d'activité principale de la capitale. Les quais étaient aménagés pour recevoir des dizaines de professions aujourd'hui disparues. Explication avec le facétieux Frédéric Chersal, qui tente de faire revivre un bien étrange métier. 2 euros les 3 d'or. Allez, venez, venez. Ah, c'est un sourire, un sourire. Oh, là, voilà, Yvan, j'avais pas vu. Je savais que vous étiez un sacré charlatan. Oh, mais attendez. Un menteur, mais un bonimenteur. Oh, même. Mais... Et maintenant, vous voilà arracheur de dents. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je reviendrai chercher tout ça, là. Ouais. Ah bah ça fait partie des petits métiers des bords de Seine. Ah bon ? Ah, même arracheur de dents. À quelle époque ? Ah bah écoutez, déjà au 16e, fin du 15e, ici sur les quais, puis après quand il y a la construction du pont neuf, ouais, et puis l'inauguration en 1604, eh bien on a retrouvé là un personnage emblématique du pont neuf qui s'appelait le grand Thomas. Thomas, c'était son prénom. Ouais. Et il était médecin militaire, à l'origine chirurgien militaire. Et puis, il va devenir arracheur de dents. Alors lui, il venait avec un orchestre, il faisait des annonces, c'était un bonimenteur. Le bon et le ment, boniment. Alors un orchestre, c'était pour cacher les cris, du douleurs. Client qui souffrait un petit peu, du patient qui avait tendance un peu à souffrir au moment d'arracher les dents. Et ces métiers étaient liés à l'eau spécialement ou pas ? Alors, on avait par exemple les porteurs d'eau, parce que l'eau courante n'existait pas, ouais, on imagine bien. On venait chercher de l'eau dans la Seine. Et avec là, des seaux ? Avec des seaux ou avec une tonne à eau. Et ils criaient dans les rues, oh, oh, et on demandait à les faire monter dans les étages. Il devait y avoir aussi les lavandières, non ? Alors, les blanchisseuses, quel combat ! Parce que quand on parle de blanchisseuses, il y a du blanc dans l'histoire, le linge blanc. Ouais. Et on se battait pour être évidemment à un endroit le plus clair possible, où l'eau était la plus pure, et qu'on évite les teinturiers qui généralement se plaçaient en amont, et qui envoyaient une pollution absolument incroyable pour teindre leur tissu. Les places étaient chères. Ah bah oui, entre le teinturier et la blanchisseuse, c'était un vrai combat. Alors, il y a d'autres métiers. Il y avait par exemple la loueuse de sangsues. Si elle restait trop longtemps, elle pouvait, oui, tomber d'inanition et se noyer. Oui. Si elle ne restait pas assez longtemps, les sangsues ne restaient pas accrochées. Et après, elle les louait aux apothicaires et aux médecins pour soigner les malades avant qu'on ne fasse les saigner. On utilisait les sangsues. Incroyable, tous ces métiers. Il y en avait d'autres encore ? Alors, il y en avait plein d'autres, mais juste un qui est marquant, c'est celui de matelassier. Ah. Ou plutôt, il faut l'utiliser au féminin. Ce sont des matelassières, et leur mari, s'occupant du cadre, donc faisait un métier un petit peu plus difficile, mais il fallait remplacer ces matelas qui étaient usés, vous savez, par le poids de ceux qui dorment, ça n'avait plus de forme. Et tout ça aussi au bord de l'eau ? Oui, oui. Matelassier, c'était nécessaire d'être au bord de l'eau pour deux raisons. D'abord, un, il fallait être au grand air.
Parce que ça faisait une poussière incroyable, vous imaginez, des matelas qui restaient dans les maisons pendant peut-être une génération avant qu'on change la toile, ça coûtait cher. Donc non seulement il fallait être en plein air, mais en plus au bord de la Seine, parce qu'arrivaient toutes les matières premières, la toile bien sûr, mais aussi la paille si on voulait mettre de la paille. Et la laine. Et la laine bien sûr utilisée. Mais le métier de matelassière, de matelassier, tout ça c'est fini, ça n'existe pas. Bah non, justement, parce que ça tombe bien, je vais aller voir un matelassier, ça existe encore, à l'ancienne, vraiment. C'est dans le 11e, cité de l'ameublement. Mais j'attends de voir le sujet, mais ça m'intéresse. Je vous laisse. Allez, courez donc faire quelques dents, vous. Bah, à plus tard. Votre partenaire est là-bas. Je vais chercher ma pince. Et veillez sur ma trottinette aussi. Et oui, Frédéric, même s'il ne se pratique plus sur les bords de Seine, matelassier est un métier qui existe toujours. Et c'est au cœur du 11e arrondissement que Patrice a repris en l'an 2000 une petite fabrique de matelas. Bonjour. Bonjour, Yvan. Ça va, les garçons? J'arrête la machine. Ouais. Comment va, Yvan ? Mais bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites, là, avec cette laine ? Eh ben, on est en train de monter un matelas, là. Oui. Puisque ici, on fabrique des matelas. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec cette laine, alors ? Ben, avec cette laine, on monte la garniture, proprement dit, puisque c'est que de la laine qui va faire un travail de suspension de matelas. Merci, Yvan. Et donc, voilà. Tu peux t'y mettre. Là, on est en train de monter le matelas. Là, on est en train de monter le matelas, donc ça a l'air d'un jeu d'enfant, comme ça. Je vais enlever ça, parce que j'ai déjà chaud. Et alors, il y a combien de moutons, là, qui ont été tondus, à peu près ? Alors là, on va mettre 14-15 kilos. Donc, ça nous fait entre 20 et 30 moutons, selon leur race, leur âge. Plus là. Plus au milieu. Voilà, j'arrive. Voilà. Mouton français ? J'arrive. Mouton français. Et alors, vous faites des matelas et vous restaurez aussi des matelas ? Voilà. Parce que l'intérêt de la laine, c'est que lorsque le matelas est arrivé en fin de vie, parce que la garniture s'est tassée, on ne la jette pas. La laine repasse par cette case cardage et on refait un nouveau matelas avec. C'est, en quelque sorte, c'est éternel, quoi. Quasiment. Bruno, on n'a pas fini, là, il faut en remettre encore un peu, non ? Ah, bah, oui, on va continuer. Aussi, parce que là... Mais on va essayer de... En tout cas, c'est agréable à toucher, déjà. Ouais. Et si je remets la machine en route, on va plus s'entendre. Il faut qu'il y ait une bonne répartition. Une bonne répartition. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? On va rabattre cette toile pour enfermer toute cette laine dans le volume de ce qui sera le matelas. Et vous l'accrochez sur quoi ? Sur les crochets. Sur les crochets. Il faut combien de temps pour faire un matelas comme celui-ci ? Il faut une journée de boulot, une petite journée pour celui-là. Ah d'accord, ah oui, ça va vite. Très classique, hein ? Cette toile à matelas, là, vraiment. Indémodable. Indémodable. Alors, soit les gens adorent, soit ils détestent. Ouais. Ça dépend. On va passer la ficelle à capiton. La première fonction de cette ficelle, ça va être de maintenir la garniture en place. Tu trouves là, tu ressors là et tu ressors effectivement. Oui, d'accord. Oui, c'est pour aller plus vite. Là, on la passe en continu. D'accord. Bon, je vais essayer de le traverser là, si tu veux bien. Non, tu veux pas ? Si. Je veux pas être désagréable. Bon, je regarde, je vérifie. Hein. Donc là, je vais essayer d'aller droit. Voilà. Essayer d'aller droit. Faut commencer à regarder en dessous pour voir comment l'aiguille pousse. Il faut avoir le bras long. Ah ben. Mais faut surtout insister. Là, est-ce que c'est sorti là ? Non, faut y aller encore un peu. Ah bon ? Donc là, Patrice, c'est la dernière étape. Enfin, l'avant-dernière. L'avant-dernière. On va faire quoi, là ? On va s'asseoir, déjà. Façonner le bourrelet. Façonner le bourrelet, c'est faire ce bourrelet-là, c'est voilà, ça ? Voilà, cette espèce de saucisse qui n'est pas là pour faire joli, enfin, même si aujourd'hui on la trouve belle. C'est un raidisseur qui permet donc toujours, dans cette histoire de principe, de réduire le volume et puis de faire un renvoi d'angle. Et donc, il y a une vraie plate-bande qui se façonne, alors qu'avant ça, ça n'a pas vraiment de forme. Et ça se fait à la main. Et ça se fait à la main. Donc c'est un travail un peu de sculpture, parce que bon, on va d'abord aller, comme le tapissier ferait avec un tire-crin, on va chercher un peu de marchandise pour commencer déjà à marquer l'angle. Ouais.
Après, je pique l'aiguille, mais plutôt vers le bas, parce que je vais chercher de la laine pour remplir mon bourrelet. À mon tour. À peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je tends, et voilà. Je vais chercher un peu de laine. Voilà. Là, c'est bon? Non, ouais, pas vraiment. Ça va à peu près. Non, ça parce que c'est près. Pas tendu comme toi, tu vois. Alors, c'est trop tard, il faut tout non, refaire. Non, bon, moi, je peux aller le rechercher, en fait, parce que voilà, okay. Je vais un peu le maltraiter. Ça, c'est le savoir-faire. Je le sens, je le tire, voilà. C'est très tactile, hein, quand même. Hein. Il ne faut pas hésiter à toucher la matière, à y aller, quoi. C'est un peu la Rolls du matelas, le matelas en laine? À côté des matelas avec ressorts en sachet, latex et autres mousses. Alors, de mémoire de forme. La Rolls, c'est pas la bonne comparaison. Non. Parce que c'est pas du luxe tapageur. C'est juste sérieux, c'est à l'écoute du client, c'est fait sur mesure, c'est fait à l'unité. Donc c'est de la personnalisation. J'ai plutôt envie de parler de qualité que de luxe. Yvan se rend aux portes de Paris pour découvrir une activité entourée de mystères, celle du doublage de films. Qui ne s'est jamais demandé quel visage se cachait derrière la voix française de notre acteur préféré? Nelly, comédienne, nous ouvre les portes d'une séance d'enregistrement. Non, non, Yatili, pas encore. T'as fini, Léon? Bonjour. Bonjour. C'est moi, bonjour. La troisième petite souris. Enfin, plutôt un gros mulot. Hein. Je peux m'inviter? Avec plaisir, viens. Salut Nelly, bonjour. Salut. Thomas. Bonjour Yvan. Alors qu'est-ce que vous faites de beau là? On est en train de doubler un épisode de Yetili. Ouais. Je fais la petite souris Nina, la petite souris marron. Et toi Thomas, tu enregistres tout ça? Moi j'enregistre tout ça et avec un petit peu de technique, on cale les choses correctement de façon à ce qu'on donne l'illusion que ce soit vraiment les souris qui parlent. Alors tu la connais depuis combien de temps la petite souris? Ça fait 4 ans. 4 ans maintenant? Ouais. Ah oui, c'est une super copine. Je l'ai dans la peau. Ouais. La petite souris. Ça s'est passé comment, la rencontre avec la petite souris, avec Nina? Ben en fait, c'était sur un casting. Ils cherchaient la voix pour la petite souris. Et ça, apparemment, c'est la mienne qui collait le mieux. Elle est faite pour faire quel type de doublage? Quel type de voix? Oh là, c'est large. C'est vrai? Ton panel est très large? Ouais, ça va. Ben en fait, je fais la petite fille, le petit garçon, une ado, une maman et une grand-mère, par exemple. Allez, fais-moi la petite fille. J'en étais sûre qu'on allait me demander ça. Ben, la petite fille, c'est Nina, par D'accord. exemple. Alors, le petit garçon, l'adolescent. Le petit garçon, il va pas parler pareil. Ouais, il va dire comment? Il va dire « J'adore le foot et moi, j'ai une petite sœur ». Ok, et la grand-mère? Ben, je vais me mettre dans une autre ambiance avec une canne peut-être qui tremble un peu ou une dentition différente. On va faire, par exemple, « Reviens manger ta soupe !» Mais là, effectivement, tu joues avec ton corps, oui, quand même. Oui, ouais, j'aime bien utiliser mes mains. T'es pas qu'une voix. Non, vu que je suis dans l'ombre... On me voit pas, je peux gesticuler comme je veux, y a pas de souci. Et si on essayait là? Ah bah grave. Hein? Tu veux faire le Yeti? Je vais faire le Yeti, vous allez rigoler. Hein. Le Yeti-li. Alors dis-moi, comment ça fonctionne? Donc en fait, tu vois, t'as une barre verticale. Ouais. Ton texte, c'est celui qui est en bleu pour le Yeti. Et quand ta phrase arrive au niveau de la barre, va falloir que tu parles. Si ton texte est très resserré, ça veut dire qu'il faut parler assez vite. Ouais. Et s'il est élancé, justement, allongé, tu vas pouvoir parler lentement. Alors, les souris. Prendre ton temps. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, les souris, je peux venir? Non, non, Yatili, pas encore. Hé, hey, oh, du bateau? C'est prêt. Tu peux venir, Yatili. Un délice ce goûter, les souris. Nom d'une madame flambée. À la crème chantilly. Oh. C'est super. Dis Thomas, c'est possible qu'on refasse avec tes conseils? Donc oui, on va effectivement le refaire avec une voix un petit peu plus ronde. Au niveau du jeu, c'était pas mal du tout. Et toi Nelly, être plus en catimini lorsqu'ils sont en train de mettre les petites croquettes dans l'assiette. Alors, les souris, je peux venir? Non, non, Yatili, pas encore. T'as fini, Léon? Alors, qu'est-ce que vous m'avez préparé? un délice, ce goûter, les souris. C'est vraiment gentil de votre part. C'est bizarre, ils ont un arrière-goût, ces biscuits. Bah oui, c'était même pas des biscuits. Hein? Oh! Léon! Comment ça? Pas des biscuits? Bah non, c'est des croquettes pour chat. Wow. Nom d'une banane flambée à la crème chantilly.
Non, mais effectivement, faut rentrer dans le personnage, il faut jouer. Quoi. Mais là, c'était mieux. Hein. Non, mais c'est vrai que nous, on a un ton journalistique. Ouais. Hein, c'est voilà, on a l'habitude de parler toujours de la même façon. Quand tu fais ta voix off. Je fais des voix off et tout ça. Alors on essaie de nous corriger. Pour effectivement, ça dépend des contextes. On joue un peu la comédie, mais beaucoup moins que toi. Oui. D'ailleurs, ça va être la fin de l'émission. D'accord. Il y a un petit plateau. J'ai l'habitude, hein, pour finir l'émission. Ça serait bien que tu le fasses avec moi et que tu me doubles. Ça te tente ? C'est parti. On est parti. Et voilà, notre balade autour des métiers rares se termine ici. C'était vraiment très chouette. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr, à venir évidemment me parler sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Salut les amis. Eh oui. Salut les amis. À la semaine prochaine. Merci. Merci Nelly. Eh ben de rien. Merci Thomas. Bon, moi, allez faire un petit peu d'argent avec vos dents là. Ah, oui. Polimenteur. Je vais en arracher quelques-unes. Alors est-ce que tu veux que je reparte par là, moi, chercher ma pince? Et moi je cours pour aller chercher ma pince. Je vais chercher ma pince. Et je vais y faire ma trottinette aussi.